subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Of the Indo-French professional meetings, celebrating the entertainment and tourism industries of our two countries. This is the concluding session, and we have the privilege of having amongst us Monsieur Jean-Yves Le Drian, the Honorable Minister for Europe and Foreign Affairs of France, to do the honors. May I kindly request the Honorable Minister to take the stage and address this august gathering. Monsieur Le Drian. Chers amis, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir et de vous trouver aussi nombreux. C'est le signe que cette deuxième rencontre franco-indienne des industries de l'image ont le succès qu'elle mérite. Nos deux grandes nations partagent une très longue histoire, vous le savez. Mais ce qu'on sait peu, c'est que le cinéma en fait partie. Le 6 juillet 1896, en effet, le public de Mumbai découvrait avec fascination les premiers films des Frères Lumière. Et depuis, votre ville n'a eu de cesse de faire vivre la magie du 7e art jusqu'à devenir le berceau de Bollywood et fasciner à son tour le public français. Les cinémas indiens et français se sont souvent croisés et se sont souvent fondus. La belle collaboration artistique entre Satyajit Ray et Jean Renoir à partir de 1949, le succès de la projection de Devdas au Festival de Cannes en 2002, qui permit à la France de découvrir votre immense talent, chère Madame Ray. Les nombreux films qui s'inspirent de nos deux pays, comme Queen, Tamasha, Befikré, Un plus une, ou Maya, pour n'en citer que quelques-uns, marquent autant de moments forts dans cette histoire partagée. Et si nos deux pays sont reconnus partout dans le monde comme deux terres d'élection du cinéma, c'est que la France et l'Inde ont en commun une même générosité dans le partage de ces cultures riches et ouvertes qui font notre fierté. Je crois que cette générosité est d'ailleurs la clé du miracle par lequel nos industries cinématographiques parviennent à combiner l'exigence artistique et le succès populaire. L'Inde, premier producteur de films au monde, la France, deuxième exportateur mondial, ont tout pour réussir ensemble. Et au cours de ces deux derniers jours, ce marché franco-indien dédié aux images a permis des rencontres et des discussions particulièrement fructueuses. J'ai pu moi-même le vérifier tout à l'heure. Je veux donc remercier chaleureusement Unifrance et TVFI, les deux opérateurs de soutien à l'export des métiers de l'image, qui ont su, vous avez su, réunir les professionnels de nos deux pays et faire de ces rencontres une vitrine des opportunités qui s'ouvrent à nous. Ma conviction est que nous avons aujourd'hui, si nous unissons nos forces, tout pour gagner encore plus de visibilité dans le respect de nos identités qui font la richesse de nos cinémas. Je crois que l'heure est venue de franchir un cap supplémentaire dans notre alliance cinématographique. Et c'est la raison de ma présence ici ce soir à Mumbai. Je voudrais suggérer quelques pistes pour renforcer notre collaboration et nous donner les moyens de nos ambitions. D'abord, je veux vous encourager à suivre le chemin des coproductions franco-indiennes sur lequel plusieurs d'entre vous se sont déjà engagés. C'est, j'en suis convaincu, la meilleure manière de consolider les liens qui unissent nos deux cinémas. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous annonce le lancement du premier fonds franco-indien d'aide au développement de coproduction.
grâce au soutien de Ciné France, dont je salue le directeur général, Julien Deris, et grâce à Choc Amétrage, ce fonds permettra à des scénaristes français et indiens d'écrire à quatre mains. Et les noms des lauréats seront annoncés lors du prochain Festival de Cannes. Ce que je suis aussi venu vous dire ce soir, c'est que la France, pays de cinéma, est aussi un pays où l'on peut venir tourner. Mes chers amis indiens, je vous y encourage. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car à travers un film, ce sont des paysages, une langue, une culture qui sont montrés. Et ces découvertes peuvent susciter l'envie de voyager, d'apprendre, de découvrir pour soi-même, de construire de nouveau pour nos deux pays. Notre ambition est, à travers le cinéma, de renforcer l'attractivité de notre capitale, mais aussi de nos territoires, aux yeux des touristes indiens, qui sont chaque année plus nombreux à visiter notre pays, plus 30%. Nous souhaitons bientôt dépasser le million, nous sommes aujourd'hui entre 600 et 700 000. Et comme vous le savez, la France a fait ces dernières années des efforts significatifs pour mettre en valeur les atouts qui sont les siens dans ce domaine, de la beauté de ses paysages à l'excellence de ses techniciens. Des progrès importants ont déjà été réalisés. Nous avons facilité, par l'accélération des visas, la circulation des personnes. Nous avons amélioré le crédit d'impôt au cinéma. C'est déjà beaucoup, mais j'estime que nous devons faire encore mieux en vous proposant une offre claire et globale pour venir tourner en France. Et je veux le dire très concrètement, dans ces nouvelles perspectives, nous souhaitons notamment réduire les coûts de production indiennes en France. Et à l'évidence, c'est un critère important. Atout France incitera nos professionnels du tourisme, qui savent qu'ils ont tout à gagner, à ce que la France accueille davantage de tournages dans nos territoires, à vous proposer des tarifs attractifs, voire des partenariats complets pour transporter, loger et nourrir vos équipes. Film France, de son côté, mettra son expertise à votre service en facilitant vos échanges avec la filière française du cinéma et en sélectionnant les opérateurs techniques qui répondront à vos besoins. L'enjeu, vous comprenez, c'est de rapprocher le monde du cinéma et le monde du tourisme pour vous proposer des solutions intégrées. Et je me réjouis à cet égard que les deux opérateurs que je viens de citer, Atout France et Film France, travaillent à finaliser une convention ambitieuse en ce sens. En Inde, votre point de contact restera l'Institut français, mais une fois le programme lancé, Atout France interviendra pour sélectionner les partenaires français du film, qu'il s'agisse de collectivités territoriales ou de partenaires privés. Et pour chaque projet, nous pourrons ainsi reproduire la synergie qui nous a permis en 2016 d'accueillir le tournage du film Défi Créé dans les meilleures conditions. Atout France, la ville de Paris et de grandes enseignes de tourisme avaient alors travaillé de concert. Il faut poursuivre cette démarche. Et pour concrétiser cette nouvelle ambition, je vous annonce la création d'un comité France du film indien qui réunira tous les acteurs concernés, Atout France, Film France, mais aussi Unifrance, TVI ou encore Business France. Grâce à ce comité qui sera mis en place dans les toutes prochaines semaines, nous espérons ainsi, c'est l'ambition, doubler le nombre de tournages de production indienne en France d'ici 2022. Et il organisera, à votre intention, ce comité, un nouveau voyage en France à destination des professionnels dès 2019. Enfin, je suis heureux aussi de vous annoncer une autre mesure importante pour notre stratégie de promotion des tournages en France. Il s'agit de la mise en place d'un observatoire des retombées économiques des tournages en France au printemps 2019. Cet observatoire, qui sera porté en lien avec mon ministère, Atout France et Film France, réalisera des études d'impact, notamment sur la fréquentation des lieux mis en valeur par des films ou des séries, qui montreront avec objectivité les effets bénéfiques de des tournages sur nos villes comme sur nos régions. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, le cinéma a toujours rapproché nos deux pays. Et cette soirée montre que
nous partageons l'envie de nous associer plus étroitement encore. Je suis convaincu qu'ensemble, nous y arriverons. Et pour paraphraser les cinéastes, je dirais pour conclure, action. Merci. Stronger. And to capture this worthy moment in a photograph, may I please start with Mrs. Isabel Giordano, General Director, Unit France. Mr. Ashok Amritraj, Chairman and CEO, Hyde Park Entertainment. Mrs. Valerie Lepine, General Director of Film France. Mr. Hervé Michel, President, TV France International. And Mrs. Sheetal Nusra, Director of Atout France. That's a good sound. The sound of clicking, that's a good sound. Thank you very much. May I request Mr. Ashok Amritraj to stay on with us? And moving on to the next part of this evening, I request the Honorable Minister to commence the proceedings of conferring the French honor of the Chevalier de l'Ordre National du Mérite upon Mr. Ashok Amritraj. Mon cher Ashok, nous sommes réunis ce soir aussi pour vous dire combien la France vous est reconnaissante du travail que vous accomplissez pour le cinéma et la culture depuis plus de 30 ans. Que chacun ici prenne un instant pour songer à ce chiffre vertigineux, grâce à vous, plus de 100 films ont vu le jour. Pourtant, vos débuts dans la vie auguraient d'une toute autre carrière, puisque c'est d'abord vos talents de joueur de tennis qui vous ont fait connaître dans le monde entier. Mais votre passion pour le cinéma aurait été plus forte et très vite, vous devenez producteur. En tant que président et directeur du groupe Hyde Park Entertainment, vous produisez, financez et distribuez aussi bien des longs métrages que des programmes télévisés ou encore des contenus numériques. Et fort de nombreuses réussites au box-office et de nombreux succès critiques, vous avez été nommé producteur de la décennie. C'est ce qui rend extrêmement précieux à nos yeux votre engagement passionné en faveur du rapprochement des industries cinématographiques indiennes et françaises. Votre contribution à notre réflexion sur les enjeux et les outils nécessaires au développement de projets franco-indiens est tout à fait inestimable. Et par votre aide, aux côtés d'investisseurs français, la création d'un fonds de soutien à l'écriture de production franco-indienne, vous allez favoriser l'éclosion des talents qui porteront demain les couleurs de nos deux cinémas et qui, grâce à eux et donc grâce à vous, n'en seront parfois qu'un seul. Vous disiez tout à l'heure, créons des histoires. Ce parcours exceptionnel qui vous a conduit de Wimbledon à l'Académie des Oscars a de quoi étonner et impressionner. Mais ce qui force véritablement le respect chez vous, c'est votre attachement à promouvoir l'égal accès de tous au bien commun de notre humanité et en particulier à l'éducation. Vous l'avez d'abord fait en tant que producteur, notamment dans l'émission Chance of Lifetime, vous mettiez des aspirants cinéastes du monde entier aux prises avec les grands défis de notre temps. Vous le faites désormais en qualité d'ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies en Inde pour les objectifs du développement durable. Mon cher Ashok, pour ce succès dont vous avez fait
autant de leviers pour construire un monde meilleur. Je suis heureux et fier de vous nommer chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Opportunity to thank my mother, an amazing woman who has had an extraordinary influence on my life and even at the age of 91 still continues to inspire me every day. I've had a very special and wonderful history with France and its people from the early memories of my first trip abroad with my parents to Paris, an extraordinary city, to my first major film, Double Impact, starring a young Jean-Claude Van Damme, which was screened at the Cannes Film Festival nearly three decades ago, to the shooting of a song sequence in front of the Eiffel Tower for my Tamil film, Jeans, which starred a very young Aishwarya Rai, and to Ghost Rider, which had the evergreen Christophe Lambert as one of its stars. Next year I will be producing a film which will be directed by the extremely talented French writer-director, Julie Delpy. It has been a great pleasure to work with French and Indian talent in front of and behind the camera. And now the announcement of this new film development fund. I look forward to encouraging greater cooperation and many more co-productions between the cinema industries of France and India. I'm often asked how I have survived 35 years and made over 100 films in a world of make-believe. And my reply is always the same. Life is about balance. And for me, that balance comes from my wonderful wife, Chitra, and from my two children, Priya and Milan. I am blessed to have them in my life. Finally, on a very personal note, when I proposed to my wife 27 years ago, I had arranged for the piano player to play As Time Goes By from Casablanca, one of the greatest movies ever made in one of the most romantic cities in the world. So let me leave you with unforgettable words of Humphrey Bogart. We'll always have Paris. Thank you. Congratulations, Mr. Amrit Raj. Thank you very much, Mr. Minister. And thank you to all the guests and participants from India and from France. Until the next rendezvous in Cannes in May 2019, farewell and best wishes. Thank you very much. Thank you.